Le budget participatif, c'est un nouveau dispositif qu'on a lancé cette année et qui permet à tous les Palaisiens qui le souhaitent, de tout âge, de tout horizon, de tous les quartiers, de participer à la vie de la cité en proposant des projets et en choisissant des projets qui ont vocation à améliorer leur cadre de vie. L'idée, c'était de l'ouvrir au maximum de Palaisiens et finalement de permettre à des personnes qui ne vont pas forcément dans les conseils de quartier d'avoir voix au chapitre et de pouvoir proposer des projets. On a 58 projets qui ont été déposés. La transition écologique, l'art, le patrimoine, les mobilités, l'embellissement, les parcs et jardins. Le budget participatif palaisien donc 2022 se décline en trois phases distinctes. La première est une phase de dépôt dans laquelle les Palaisiens, quel que soit leur âge, peuvent déposer des projets en mairie. Il y a ensuite une deuxième phase. Les services techniques analysent la faisabilité des projets, estiment le coût et veillent au respect du cahier des charges qui a été défini. Il y a ensuite une troisième phase qui est une phase de vote dans laquelle l'ensemble des Palaisiens pourront s'exprimer sur ses préférences par rapport au projet retenu. Vous savez désormais tout sur le budget participatif. Je vous encourage maintenant à vous rendre sur le site internet de la ville et à regarder dans le Palaisomag du mois de décembre les différents projets retenus pour vous faire une idée et voter pour ceux qui vous parlent le plus. C'est important qu'il y ait un maximum de votants. Et puis je vous donne rendez-vous le 15 décembre au Forum de la démocratie participative et des conseils de quartier pour l'annonce des lauréats. C'est à vous de jouer maintenant, à vos votes.